franchement, moi j'ai appris beaucoup sur les outils qu'il y a ben, pour permettre de devenir un bon facilitateur, voire un bon médiateur. Et des choses que je ne savais pas auparavant, peut-être qu'on sait qu'il faut faire, mais que on n'a pas les connaissances pour les développer, quoi. Et ça m'a beaucoup appris et je pense que je fais un excellent médiateur. Je vais dire que oui, en gros, sur tous les points. C'est-à-dire parce que tout ce qu'on a pu voir au cours de la formation, c'est des choses qui peuvent nous servir pour la vie de tous les jours, quoi. Donc, eh ben, déjà, ils ont fait un long voyage pour venir nous apporter leurs connaissances. Donc, je les remercie beaucoup. Et la semaine a été un peu courte. Tout a été ciblé sur un court laps de temps, mais on a pu quand même acquérir toutes les connaissances, voir tous les programmes qui étaient séparés en 5 points. Et voilà, hein. Voilà. Avec toutes les connaissances que j'ai pu apprendre au cours de la semaine, ben, en les mettant en pratique sur le terrain avec les jeunes lycéens, collégiens, dans la rue, dans la cité, dans les résidences, peu importe, eh ben, j'espère faire de mon mieux pour que la Guadeloupe soit plus belle. Ce stage était extrêmement intéressant parce que j'ai rencontré un public qui était au départ, me semble-t-il, extrêmement hétérogène. Et tous les individus, tous les participants se sont montrés particulièrement intéressés par la médiation, les outils de la médiation, la posture de médiateur. Et ils sont restés jusqu'au bout comme pour profiter jusqu'à la dernière goutte d'une formation qu'ils espéraient et qui, ont-ils dit, leur a énormément apporté. Il y a eu différentes phases, c'est-à-dire que, il y avait à la fois de la théorie, mais aussi de la pratique, le besoin de clarifier un certain nombre de concepts, mais aussi par rapport à leur métier, savoir où est-ce qu'ils pouvaient se positionner, est-ce qu'ils étaient facilitateurs, qu'est-ce qu'on entendait par facilitateur social et par médiateur. Donc on a bien fait la différenciation de façon qu'ils puissent trouver eux-mêmes leur place et qu'ils puissent mener à bien leur mission. Je crois que ça leur a permis de vraiment clarifier les choses. Les personnes que j'ai rencontrées n'avaient reçu aucune formation, ce qui veut dire qu'il y a énormément de travail à faire en termes de formation. Il y a énormément de bonne volonté, et je pense que l'on ne peut pas envoyer les personnes sur le terrain sans qu'ils aient un minimum de connaissances. Mais malgré tout, j'ai trouvé des gens vraiment intéressants, avec une passion de ce qu'ils faisaient, de leur mission d'une façon générale. Et j'étais beaucoup touchée par la Guadeloupe et ses habitants, avec beaucoup de cœur. Voilà. J'ai été très heureuse de cette formation ici et de ces rencontres que j'ai pu faire. Des projets qui doivent pouvoir se concrétiser. Et au niveau donc de nous, puisqu'ils nous considèrent comme étant des partenaires, nous, l'Association nationale des médiateurs, nous sommes prêts à les aider, les accompagner et être considérés comme vraiment des partenaires. Mais il est bien évident qu'il est indispensable pour que les projets puissent se mettre en place, puisque ce sont des projets de qualité et qui, avec du sens. Donc ces projets-là, qui vont dans le sens de la société, doivent pouvoir avoir des moyens. On ne peut pas faire un projet sans moyens, c'est-à-dire qu'il est indispensable qu'il puisse y avoir suffisamment de partenaires intéressés par cette mission et le travail concret que projette cette fédération pour s'investir. Et donc donner les moyens utiles pour mener à bien ce projet-là. Si on fait appel à moi, je serai là. Oui, bien sûr. Moi, je suis intéressée et je suis à l'âge de la transmission, comme vous l'avez pu le constater. Et pour moi, il y a un véritable enjeu. Il y a un projet et donc un projet, il faut le conclure, le faire réussir, l'aboutir. Et ça a du sens. Je suis une passionnée, je ne peux pas me refaire, hein. Oui, ça a été un moment très riche, très
je dirais, remplie, hein, et parce que nous avons appris beaucoup de choses, hein, et cela nous a permis de nous conforter, en tout cas dans le poste, en fait, dans le travail que le médiateur social fait sur le terrain au quotidien, et de faire la différence avec le médiateur. L'intérêt de ce stage, c'est de pouvoir professionnaliser, de rassurer, de professionnaliser l'agent dans son métier et faire venir les formateurs pour pouvoir sensibiliser et former à la médiation. Bien, aujourd'hui, nous avons du personnel qui est formé, qui a les bons outils, en tout cas, pour mener à bien une médiation, et qui sont des professionnels et qui pourront intervenir, en tout cas, dans le cadre d'une mission ou d'un projet sur le territoire. C'est très particulier. Il faut aimer. C'est particulier parce que il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut savoir être à l'écoute. Il faut avoir de l'humilité, de l'écoute, de l'attention pour pouvoir accompagner, je dirais, d'autres. Ça a été une première et une semaine très riche, surtout quand vous avez sur un groupe, hein, l'adhésion de tous. Voilà. Et aucun d'entre eux n'a dérogé ou n'a arrêté la formation. Au contraire, ça a créé la surprise, que du côté des formateurs, que du côté des stagiaires. Et aujourd'hui, ils en redemandent. Et est né de cette formation un groupe qui s'appelle Mosaïque. Nous allons continuer, ce n'est qu'un début, hein. C'est une formation que nous allons reconduire régulièrement et aussi l'approfondir. Ouais. Hein, l'ouvrir, que ce soit au niveau de l'entreprise, hein, parce qu'il faudrait aussi que les dirigeants soient formés à la médiation. Il faudrait que dans le scolaire, nous pouvons former des jeunes aussi à la médiation pour mettre une espèce de veille en place pour sensibiliser et pour informer avant d'arriver à un drame ou d'aller en justice. Ou alors sur une procédure qui peut être longue et coûteuse. Parmi nos intervenants, puisque nous avons fait une table ronde avec les intervenants, les lycées, nous avons souhaité aussi que les maires puissent s'impliquer, que la préfecture, puisque c'est la préfecture qui est à l'origine de ce nouveau métier qui est l'agent de médiation, par le bien des postes adultes relais. Et nous aurions souhaité en tout cas qu'un certain nombre d'acteurs qui rencontrent des problématiques sur leur territoire ou dans leur conflit, soit autour de cette table ronde. Et malheureusement, eh bien, nous avons eu pas mal d'absents. La police nationale, les bailleurs sociaux, les collectivités. Et nous souhaitons en tout cas reconduire cette table ronde au moins une fois par mois ou une fois tous les deux mois pour nous permettre d'échanger entre professionnels, hein, sur des situations, des cas et voir un petit peu ce que nous vivons aussi au quotidien et nous rencontrons à travers notre métier. Oui, la Guadeloupe est un pays où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problématiques sociales et aujourd'hui nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'être écoutés, nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin de ça, c'est important pour l'évolution de ce pays.